Bienvenue chers téléspectateurs sur Gamon 24, l'émission C'est ton droit mon devoir, une émission qui vous instruit et vous éclaire sur les questions de droit. Aujourd'hui nous traiterons de la question de la garde à vue, que prévoit la loi ? Dans le but de nous aider à mieux cerner la question du jour qui traite de la garde à vue, nous avons rencontré pour vous M. Mpi Makonga Misavu. Il est avocat au barreau du Gabon. Il est notre spécialiste du jour. On suit cet élément et on revient juste derrière. La garde à vue, c'est une mesure prise par l'officier de police judiciaire d'office, donc par sa propre volonté, mais elle peut également venir de l'autorité judiciaire, notamment du procureur de la République, d'avoir à retenir dans les locaux de la police judiciaire un individu soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Et cette mesure est organisée en ce qu'elle ne dure que 48 heures et renouvelable 48 heures encore, donc pour une période de 96 heures. Passé ce délai, la personne doit être remise en liberté. L'officier de police judiciaire doit vous informer immédiatement de vos droits, à savoir, entre autres, ceux énoncés aux articles 56 et 57 du nouveau Code de procédure pénale du 5 juillet 2019. Par ailleurs, des dispositions relatives à la garde à vue de l'article 61 et 62 stipulent que si vous n'avez pas votre propre avocat, vous pouvez demander que vous soit commis d'office un avocat par le bureau de l'assistance judiciaire. L'entretien avec l'avocat dure une heure maximum. L'OPJ, c'est-à-dire l'officier de police judiciaire, doit mentionner sur le procès verbal d'audition les motifs, jours et heures, début de la garde à vue. Sachez, chers téléspectateurs, que la loi est impersonnelle, mais nul n'est censé ignorer la loi. En espérant vous avoir éclairé dans cette émission de Ton droit, mon devoir, vous pouvez éventuellement nous proposer des thèmes ou même nous apporter des suggestions sur notre page Facebook/Ton droit, mon devoir. À très vite sur Gamon 24.